Coucou à tous et toutes, c'est Nessendil. On essaie aujourd'hui une petite application de téléphone, vous savez que j'aime bien ça, sur des poissons qui s'appellent Iquarium, tout simplement. On va donc regarder ce que ça donne. Il y a du bruit à côté de moi puisque c'est Gosse qui aime voir pourquoi je parle à mon téléphone. Ça semble l'intriguer. Alors, votre aquarium est désormais vide, mettez des gravillons avant de mettre le poisson. Merci Gosse. Alors attendez, est-ce qu'il faut cliquer là? Gravillon. Oui, comme ça, pardon. Ah oui, d'accord, ok. Ah, moi, je pensais qu'on allait mettre avec le doigt, moi. Oh, ça se met tout seul. Vous pouvez dire bonjour à votre nouveau petit ami. Tapez sur l'icône du menu et choisissez votre premier petit poisson. Apparemment, c'est... Voilà. Hop, hop, je te le balance là-dedans. Félicitations. Maintenant que vous possédez votre poisson, vous pouvez interagir avec lui en tapant sur l'écran. Nous vous souhaitons du bon temps, de la détente et de l'énergie lorsque vous vous occupez de votre petit poisson. Je sens que ça va être encore un petit jeu top pour les vacances. Oh, il faut lui mettre un nom. Il est orange, on va l'appeler Orangina. Voilà, c'est très original. Voilà, voilà. Votre poisson a besoin de manger régulièrement pour vivre en bonne santé et être heureux. Choisissez la nourriture orange de votre stock. Ah bah d'accord, on est dans l'orange à donf. Nourriture orange pour le poisson orange. Et on peut mettre avec les doigts cette fois. Pour nourrir votre poisson, tapez sur le conteneur de nourriture tout en haut à droite de l'écran et tapez ensuite OK sur l'endroit où vous souhaitez le nourrir. Ah voilà, cette fois on peut vraiment interagir. Ah, faut recliquer. Ah ouais, c'est boulette par boulette. Peut-être pas le gaver. Et ça, c'est un poisson... comment ça s'appelle, ces poissons-là? C'est du cyclidé. C'est du cyclidé d'eau douce. Poisson perroquet, je crois. Non, parce que ça, c'est un marin, le perroquet. Ah, je sais plus. J'ai un doute sur le nom de ce poisson. Allongez la durée de vie de votre aquarium. Choisissez une plante de votre stock. Ah ah, j'ai des plantes. Alors, une Chinertia rivularis. Je suppose que c'est son vrai nom. On peut la mettre ailleurs. Vous pouvez modifier la position des éléments décoratifs pour faire plaisir à votre animal. Tapez sur l'icône de modification en haut à droite de l'écran, puis faites glisser l'article que vous souhaitez déplacer. Lorsque vous serez content de votre nouvelle disposition, tapez à nouveau sur l'icône. Ok. Ah, on peut pas par contre choisir la profondeur. Parce que ça, c'est une plante haute, ça va dans le fond, ça, monsieur, dame. Tant pis, on va la mettre sur le côté. Comme vous le voyez, pour l'instant, votre réservoir ne contient aucun élément décoratif. Prenez soin de votre poisson et dans le temps, et temps, en temps, et de temps en temps, non pas dans, vérifiez votre équipement. Les nouveaux objets seront mis à disposition automatiquement. Ok. Et on peut bouger. Oh, on a quand même un peu de mouvement. Ok, je sais pas si c'est bien ce que je fais, elle a l'air de paniquer le machin. Je peux te toucher ? Pas spécialement, je peux juste te faire paniquer. Ok, regardons toutes ces petites icônes. Donc ça, c'est tous nos objets. Prochain article, 5 sur 140. Ok. Donc on va avoir des couleurs, d'autres poissons, je suppose. Des plantes, des branches. Ça, c'est le gravier. Ça doit être des décos. Ça, je sais pas. Ok. Ici, je suppose qu'on peut acheter avec des vrais sous. Ah ouais, ouais. Voilà, c'est acheter avec des vrais sous. Ça ne m'intéresse pas. Ici... ici. Ok, c'est des scores. Ok, il y a des foudingues du poisson. Ok, super. Ça, motif. Oula. Ah oui, c'est avec des points. Donc là, on a le normal, le aquarium normal. Ok. Et enfin, ça, option crédit. Ok, d'accord. Et ben voilà, on va s'occuper de ce petit poisson. Je vais te remettre à manger. Hop. Oui. Bon bah du coup je vous aurais pas montré grand chose. Moi de mon côté je vais y jouer pendant les vacances, très clairement, m'occuper de mon petit poisson. Pour le coup ça doit pas être bien long, hein. Vous vous connectez, vous les mettez à manger. T'as trop mangé? Ah merde, je vais tout salir du coup. Ne faut pas surnourrir les poissons comme je viens de faire. Là je l'ai fait parce que c'est un jeu et je voulais faire un maximum de choses. Mais bon bah voilà, bon, on va lui foutre la paix. Ah oui, ça fait des pulls si je... Ah, ça le fait venir. Si je réussis de verrouiller. Fiche disturbeur. Ah j'ai... Ah oui, je l'ai effrayé et ça m'a fait une réussite. Ah bah c'est sympa. Et si je tapote là, tu viens? Ou tu as définitivement peur de moi? Non, il vient. Alors ça, c'est des poissons qui s'apprivoient. C'est vraiment des poissons qui s'habituent à leur maître. J'aime beaucoup ces gros poissons-là. C'est des poissons qui demandent des très gros aquariums. Ok, on va lui foutre la paix. Du coup, c'est une rikiki mini vidéo. Je ferai peut-être un numéro 2 quand mon aquarium aura bien avancé. On n'a plus de poissons. Maurice? Voilà. Brice?
Et ouais, je ferai sûrement un petit numéro 2 quand l'aquarium aura bien avancé. N'hésitez pas de votre côté à le faire aussi et à me le montrer. Comment je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas aussi. Et voilà, moi j'adore ces petits jeux. Celui-ci d'ailleurs, c'est un de vous qui me l'avait proposé. Donc si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas, je teste un peu tous les petits jeux animaliers que vous m'envoyez. En tout cas, je vous souhaite des bonnes vacances pour ceux qui y sont encore. Moi du coup, je pense que quand vous voyez ces vidéos, j'y suis. Je vous fais des boujoux, je vous dis à bientôt. On a déjà plus de poissons. Mais où est Maurice? Oui, ceci ne s'appelle pas Maurice. J'aurais dû l'appeler Maurice en fait. Allez, je vous fais des boujoux. Bye bye tout le monde. Imagine you could see everybody else's dream, what a comfort it would be.